Eh bien, salut tout le monde, c'est Knowiz. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau let's play, le premier let's play présent sur ma chaîne YouTube. On reste dans le thème de ma chaîne avec toujours des mods, donc comme vous l'aurez compris, on est sur un let's play modé. Et encore plus que ça, on est sur un Skyblock modé, donc de Sky Factory 4, le modpack, c'est son nom, du coup. Et du coup, voilà. Du coup, on arrive sur une plateforme et je pense que la première chose à faire. Parce que j'ai déjà essayé juste avant et j'ai pas réussi à avoir de... Ouais, j'ai pas eu assez de choses. Donc normalement on est censé avoir des... Je vais vous montrer. Parce qu'on a un petit livre avec plein de choses à faire. Et normalement on peut obtenir des plans de... Des pousses d'arbres de terre. Qui va nous permettre d'agrandir notre plateforme. Parce que là on est juste sur un arbre avec... Je sais pas si vous voyez au travers. Un bloc de terre. Et j'ai pas eu de chance. Et je n'ai pas eu du tout ça. Donc on va croiser les doigts pour obtenir, en espérant qu'on en obtienne, parce que là on a une pauvre petite graine. Ok. Ah, on en a un. Ok, on en a un autre. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on en ait déjà deux. Après voilà, ce qui est idéal, ce serait d'avoir d'autres dirt tags. Comme ça là. Ok, une troisième. La vache, j'ai vraiment pas eu de chance tout à l'heure. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va casser le bois. Hop. On va casser le bois avec ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai plus de loot en cassant avec ce bâton. Donc je prends le bâton et je casse avec. Hop. Parce que je connais pas tous les modes du coup qu'il y a dans sur le modpack. Je vous avoue que je vais un peu à la wall again. Hop, ça va être pratique. L'idéal, ça serait d'avoir rapidement du bois. Ok, ce qu'on va faire, on va faire un genre de speedrun sapling pour essayer de économiser un maximum de pouces. Ok. Ok, hop, on va faire ça, et on va commencer à entourer la plateforme. Paf, paf, paf. Tac, tac. Histoire d'essayer de sauver un maximum de pouces. Ok, ça va pas suffire. Mince. Voilà, comme ça. Puis après, on va continuer de faire pousser des arbres. Je sais pas si c'est une bonne stratégie ce que je suis en train de faire, mais voilà, dans le doute. Voilà, bah, vous voyez, c'est pas une si mauvaise stratégie que ça. Parce que du coup, ma plateforme est assez large pour récupérer la plupart des trucs qui tombent. Et donc, ça va nous permettre de faire... Hop. Du coup, on va en planter un là, directement. On va placer notre table de craft, notre table d'artisanat, autant pour moi. Plaçons notre table d'artisanat, et avec les blocs qu'on vient d'avoir, là, c'est de là, on va pouvoir faire apparemment un nouveau bloc de terre. Voilà, ce qui va nous permettre de faire planter d'autres arbres. Donc on va le mettre... Le problème c'est que j'ai pas envie de perdre du coup une planche. Ouais, on va le mettre ici, voilà, on n'a qu'à le mettre là. On va planter ça. Et puis maintenant, faut attendre que ça pousse. Ouais. Ouais, bah si on attend comme ça, ça va être très très long. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est le jeu. Donc, bah, de toute façon, je pense que je vais faire une ellipse. Le temps qu'il y ait un arbre qui pousse. Et qu'on puisse continuer, et puis parce que là pour l'instant, honnêtement, je sais pas quoi faire. Si, je sais ce qu'on va faire, on va regarder les différents objectifs. Donc, on peut manger apparemment les graines. Donc, si on a faim, là pour l'instant, c'est pas l'objectif du tout. L'objectif, je pense, c'est de faire de la terre, plus de la terre, plus de la terre pour pouvoir continuer et devenir des pros des arbres. On peut juste avoir des diamants. Donc, je pense qu'on va pouvoir avoir des arbres qui vont nous donner. Des arbres de fer, des arbres de tout ça, qui vont nous permettre après de continuer à améliorer notre village.
J'espère que ça met pas le jeu en pause quand je regarde. Ah! Ça fait des petites paillettes. C'est qu'il doit sûrement grandir à vue d'œil. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Ok, un arbre pétrifié. Clay sapling. Ok, on peut faire des sauts en argile. Voilà, c'est. Et donc ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a moyen de voir? Non, il n'y a pas moyen de voir directement à partir d'ici. On va aller voir directement à partir de là, du coup. Si je le trouve. Après, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Si je vais dans le bois. A few moments later. Age of Enchantment. Hop. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour le farming. Ok. Ça va être plus tout ce qui est énergie. Ouais, d'accord, des coffres. Il y a plein, plein, plein de systèmes de rangement, apparemment. Exploration. Ok, je sais pas si on va pouvoir explorer grand-chose. Bah, je présume. Sinon, il le dirait pas, peut-être, mais... Ok. Bon, bah, on est toujours bloqué là. Ouais. Ah, ça fait des petites paillettes, hein. Ça fait des petites paillettes, je les ai vues. Donc, voilà, c'est long. C'est long, on s'ennuie, en fait. Allez, là. Et on va pas... pousse plus vite. On peut regarder la position du soleil. Après, vu la taille du truc, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de mobs qui apparaissent. Dans le doute, ah, mais peut-être grâce à ma torche, mon arbre va pousser plus vite. Normalement non, parce qu'il y a toujours le soleil, mais on ne sait jamais. On remarque quand même la qualité des petites animations. C'est assez joli. Ah, j'ai cru que je l'avais éteinte. Non. Non. Oh! Incroyable, il a poussé. On va pouvoir récupérer. Voilà, on va pouvoir continuer dans notre super aventure. C'est trop bien. Hop, hop. On va agrandir notre super plateforme. Par contre, je récupère de la terre là ou pas? Je sais pas. J'ai l'impression, ouais. Ouais, j'en récupère. Ok. Et on va continuer à agrandir notre plateforme. Histoire d'être sûr que... Hop. Rien ne se pète la gueule. Comme ça là. Hop. On va en replanter un direct. On va pas perdre de temps. On va se faire une base, les copains. Ça va être la folie. Je vais faire pareil de ce côté-là, autour de lui. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il me manque encore un peu de bois. En fait, tout mon bois part dans l'agrandissement de la plateforme. Mais c'est pour une bonne cause. Parce que du coup, on récupère d'autres petites branches de sapin. Bon, j'ai pas de quoi faire un coffre. On a très peu de dirt arcane là, je sais pas quoi. Et gland là. On va casser les feuilles en espérant en avoir un peu plus. Heureusement que c'est pas tombé. Ok, on en a 4. On va pouvoir refaire un nouveau bloc de terre. Et je pense que petit à petit, plus on en aura, plus ça va aller vite. Et plus ça ira vite, bah plus on progressera à fond les ballons. Et ça sera sympa. Parce que pour l'instant, c'est un peu long à démarrer. Mais après, une fois que ça sera parti, je pense qu'on sera pas mal, hein. Hop, regardez. Un autre bloc de terre. J'ai jamais été aussi content d'avoir de la terre, quoi. Si ça, c'est pas magnifique. Hop, on va mettre un nouveau bloc ici. Tac, tac. Et puis voilà. On n'en a plus qu'à attendre. Et à se poser la question de comment on a un arbre pétrifié. Là, pour l'instant, j'ai toujours pas d'arbre pétrifié. Ok, ok, d'accord. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire un arbre pétrifié? Bah ouais, mais ça, comment on les a? Ah ah! Pétrifié. Est-ce qu'on peut les craft? Non, il nous faut un arbre pétrifié. Ah, parce qu'il y a plein de trucs qui changent.
Ah d'accord. Il y a carrément le temps que ça met pour... Attendez, peut-être qu'il y a moyen de voir du coup pour notre super arbre, notre arbre de base là. Et nous, notre arbre de terre là. Peut-être qu'il y a moyen de voir si on peut... 5% de chance, 35. Dirt Leaf. Ok. Ouais. Ouais, bah non, du coup. Du coup, on peut pas forcément... Mais on peut voir combien de temps il met à pousser, peut-être. Ok. 30, 30 minutes. C'est quand même beaucoup, non? Il me semble pas que l'autre avait mis 30 minutes. Mais du coup, ouais. Ah bah voilà. Mais dis donc, c'est super rapide. Je me demande si c'est pas plutôt 30 secondes à ce niveau-là. Attendez. On va en profiter, hein, on va pas perdre de temps. Hop. On va essayer d'en faire un max de toute façon. Là, je viens de récupérer plein de trucs. Voilà. Et on va casser les feuilles, pareil, toujours dans la même optique. Voilà. Tac, tac. Quelle violence. Je ne sais pas combien de temps ça fait que la vidéo a commencé. Mais je pense que après avoir refait un nouvel, replanté un nouvel arbre, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Ça me semble pas trop mal. Honnêtement, je sais pas combien de temps ça fait. Et j'ai pas envie que les vidéos, les épisodes durent 30 ans. De toute façon, je vois pas forcément l'intérêt. Hop, on va replanter un. Oh la vache, regardez tout ce qu'on a. Mais on va pouvoir faire plein de blocs de dirt. Tac, tac. Oups. Tac. Ok. Tac, tac, tac. Et voilà. Hop. Hop. Ok. On a pu se faire deux blocs de dirt. Et ça, c'est fantastique. Donc, on va en mettre un là. On va continuer sur notre lancée. Hop. Et on va en mettre un ici aussi. Et tac. Et tac. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode qui, j'espère, n'aura pas été trop long pour vous. De toute façon, je pense qu'il y aura eu des coupures dans le montage parce qu'on a attendu un certain temps pour le premier sapin. Mais les prochains épisodes s'annoncent plus mouvementés. En tout cas, je l'espère qu'on va pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes qu'attendre que des arbres poussent. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire si le concept te plaît. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Donc, je pense en sortir peut-être un par semaine, un nouvel épisode par semaine. Donc, mercredi prochain, normalement, tu devrais retrouver le nouvel épisode du Let's Play Skyblock Modé. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!